Alors, mon coup de gueule actuel, parce qu'il y en a quand même quelques-uns, c'est des investisseurs qui balancent de l'argent dans la restauration ou sur des chefs, comme s'ils balançaient de l'argent dans une start-up informatique, etc. Et le problème, c'est que derrière un chef ou derrière un restaurant, il y a de l'humain, il y a des gens à tenir. Et donner un ou deux bâtons à des personnes en les laissant tout seuls dans la nature, dans un restaurant, franchement, je pense que ça n'aide pas beaucoup. Il faut les accompagner, il faut les aider. Alors peut-être les aider financièrement au début, mais il faut les accompagner aussi derrière, parce que la plupart de ces jeunes chefs qui se retrouvent avec un ou deux bâtons dans les mains, mais malheureusement, on le voit et c'est prouvé, il y a des statistiques qui disent que 50% des restaurants ferment dans Paris avant 2 ans. Donc voilà, mon coup de gueule, il est sur ces gens-là, et en espérant que ça change, et en les aidant, mais d'une autre façon.